Tout à fait, c'est ce qui se passe avec la crise requin. On accuse les médias, mais les médias rapportent aussi ce qu'il se passe avec les requins, les attaques de requins à La Réunion. Et ça, ça fait une contre-publicité. Est-ce que vous pensez qu'une information chasse l'autre et que ça marche aussi en matière de tourisme? L'éruption volcanique chassera de façon positive la crise requin à La Réunion? Personnellement, je ne le crois pas. Ce sont deux problèmes complètement différents. Ce sont deux approches complètement différentes. On a un problème à régler, c'est la crise requin à La Réunion. Il ne faut pas l'occulter par n'importe quelle autre nouvelle positive. Bien sûr, nous capitalisons aujourd'hui sur du positif parce que c'est un de nos avantages, c'est d'avoir un volcan et qu'il n'y en a pas d'autres dans la zone, que c'est un vraiment, il est en activité régulière, etc. Et c'est un spectacle au grand public. Mais la crise requin en tant que telle doit être réglée et nous sommes sur de belles pistes parce que être une île et avoir de l'eau autour et ne pas pouvoir se baigner, c'est une vraie problématique. C'est un atout dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. On a bien sûr un de nos atouts majeurs qui est la randonnée et également la plongée. La plongée, nous avons des sites de plongée qui sont juste exceptionnels et aujourd'hui on voit bien que l'activité plongée est en train de péricliter parce que justement il y a des retombées également de cette crise requin. Donc il nous faut réagir d'urgence et faire en sorte que l'ensemble des acteurs se mobilisent. C'est ce qui semble être le cas aujourd'hui, après une longue bataille.